Bonjour à tous et bienvenue sur On RMS, ici JD pour une émission très 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 spéciale car j'ai l'insigne honneur d'accueillir sur le plateau d'On RMS un ancien président de la République, Monsieur Chirac, bonjour, bienvenue. Bonjour Monsieur Nas, c'est bien ça. Non, j'ai eu peur de m'être trompé. Oui, tout à fait Monsieur Chirac, Jean-David Nas, pour vous servir. Alors Monsieur Chirac, commençons si vous le voulez bien. Ça fait maintenant un peu plus d'un mois que vous avez fêté votre anniversaire. Eh oui, mon cher Nas, on se fait vieux, 92 ans quand même. 82, monsieur Chirac, peut-être? Comment ça, 82? Oh le con, j'avais entendu Bernadette dire 92. Ah bah me voilà rejeuné d'un coup. D'ailleurs, je pète la forme, je vais pouvoir draguer des femmes. Je voulais dire, œuvrer pour l'écologie, bien sûr. Oui, il y a des choses qu'on n'oublie pas, n'est-ce pas, monsieur Chirac? Tout à fait. Bah alors, vous évoquez Bernadette... L'écologie, vous faites bien en parler, monsieur Chirac, car justement, le jour de votre anniversaire, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais avait démarré la COP21 en France, vous vous rappelez? Et je voulais savoir, pour nos auditeurs qui nous écoutent, ce que vous avez fait pour l'environnement depuis ce jour. Voyez-vous, mon cher Nas... Ah, vous pouvez m'appeler Jean-David, monsieur le président, il n'y a pas de... Ah bah très bien, vraiment. Mon cher Jean-David, j'œuvre depuis quelques jours maintenant pour l'écologie. Je fais attention, et d'ailleurs, ça fait 10 jours que j'ai pas pris de douche pour économiser de l'eau. Non, vous exagérez, monsieur Chirac, 10 jours, quand même. Ah bah non, pas du tout, Jean-David. Et encore, ça va, Bernadette, ça fait 10 ans qu'elle s'est pas lavée. Les dessous du couple Chirac, ce sera pour une autre fois. Quand même, monsieur Chirac, vous me faites marcher, Bernadette. Elle est très propre sur soi, non? Ah bah non, bah, je vous jure, 10 ans qu'elle s'est pas lavée les cheveux. Ça se voit peut-être pas à la télé, mais je peux vous dire que... Quand on se rapproche d'un peu plus près, oh, on dirait Bob Marley. Hein. Ah, faudrait un bon coup de pesticides là-dedans et ça ferait du bien. Ah non, pas des pesticides, monsieur Chirac. Rappelez-vous, la COP21, l'écologie. Ah oui, c'est vrai, il faut pas les utiliser. Et rendez-vous compte, ça fait perdre la mémoire. Alzheimer, etc., etc. Eh oui, en effet, de graves conséquences donc. Eh oui. Eh bien, monsieur Chirac, espérons que 2016 sera porteur de nouvelles résolutions pour l'écologie et pour votre couple. En attendant... Les Français vous soutiennent, monsieur Chirac. Ben je les remercie, les Français. Hein. Et si je peux dire une dernière chose... Mais je vous en prie, un mot de la fin. Ah ben écoutez, je voulais dire, mangez des pommes. Hein, comme je l'ai toujours dit, mais mangez des pommes bio. Hein, pas bio comme biodégradable, mais bio comme biologique. Parce que voyez-vous, mon cher Nas, paraît-il que des personnes perdent la mémoire... Oui, oui, on sait tout ça, monsieur Chirac. Vous l'avez dit, Alzheimer... Ah oui, excusez-moi, moi oui. Aussi, j'ai peut-être quelques petits soucis. Bah écoutez, sans problème, monsieur le président. Eh bien, monsieur Chirac, je vous remercie d'être venu sur un RMS, et vous revenez quand vous voulez, vous êtes le bienvenu, la porte est ouverte à Neoma. Et puis, merci. Merci, monsieur le président. Merci à vous, Jean-David, ce fut un plaisir. On vous souhaite de bonnes vacances prolongées et une bonne retraite. Merci, bah, à vous aussi, de bonnes vacances, peut-être pour bientôt. Merci, monsieur le président, et bonne continuation. Voilà, c'est la fin de cette émission, on se retrouve très vite... pour de nouveaux podcasts avec plein de nouveaux guests. D'ici là, stay tuned. Bye. À vos micros. Prêt. Parlez. Bonne RMS.